Chose promise, chose due. L'ancien premier ministre Adolphe Mozito poursuit avec faste la deuxième phase de sa mission. Après la province de Kwango, le député national Adolphe Mozito va parcourir plusieurs kilomètres à la recherche des éleveurs de vaches qui défrayent la chronique depuis un temps. C'est dans le secteur de Titoï, territoire de Massimanimba, dans la province de Kwilu, qu'il va finalement retrouver la trace de ses troupeaux avec l'aide de la population locale. Après investigation, il s'avère que ces éleveurs proviennent de la province du Sud Kivu, précisément à Uvira, en passant par Mbujimayi dans le Kasai, via Kalemi dans le Katanga, avant d'atteindre les provinces de Kwilu et Kwango sous l'œil impuissant des autorités. C'était pour vendre. On a fait d'abord, l'année passée, il y a un papa qui est venu ici. On l'appelait Papa Gadi. Oui. Il est venu, il a installé son ferme ici à Ngondi. Il a commencé à vendre. On a vu que ici il y a les marchés. Ah, c'est comme ça que vous avez déplacé oui, ça. Oui, on a déplacé pour du Sud Kivu. Du Sud Kivu. Ouvira. À Ouvira précisément. J'ai vendu beaucoup en Mbujimayi. Ah, d'accord. Comment ces éleveurs de bétail procèdent pour acquérir des terres sans autorisation de l'autorité provinciale alors qu'ils promettent d'étendre leurs activités? Alexandre Sandé, l'un des responsables du groupe, répond. Non, ça ne m'appartient pas. J'ai fait la location ici au chef. Chef de terre. Chef de terre, chef du village, chef de terre. On a fait le contrat d'un an. J'étais une vache. Une vache. Avec d'autres choses d'écoute. On demande. J'ai 250. Dans cette semaine, nous attendons de qui vont venir acheter. Oui. Vous voyez que les vaches sont très nombreuses. Hein? On ne peut pas les prendre dans un mois ou dans deux. Si on les va dans cinq mois, c'est fini. S'il y a une autre demande, on va aller acheter d'autres déjà. Des propos qui ne corroborent pas à la version de la population, l'ancien premier ministre entend poursuivre avec la démarche auprès des autorités du gouvernement central pour apporter plus d'éclairage aux inquiétudes de la population.